Oh là là. Heureusement que je l'ai, lui. Alors, quelques nouvelles. Là, je commence les boiseries. Là, ça me convient, mais là, c'était très taché. Je retrouverai peut-être des photos. Je pense qu'il y a encore du vernis. Je veux pas entamer le bois non plus. Ah là, j'ai du vernis. Là. C'est du 120. Après, j'ai du 180. Ça souffle. C'est vraiment fort. Je suis parti de ma maison au nord de Béziers. Là-bas, ça tombait déjà. On est en épisode méditerranéen. Nous sommes le 17 octobre. Je vais avoir le bateau parce que j'ai envie d'être assuré, vérifier les amarres, tout ça. Alors, ça donne ça quand on est en colère. Aujourd'hui, je suis heureux d'être amarré au port. Quand on voit ça, ça donne pas envie. Donc c'est lisse au toucher. Maintenant, je vais donc vernir. J'ai choisi ça. Un vernis brillant. Spécial cuisine. Un jour, je m'attaquerai aux marches, à la descente. Je souhaite d'abord faire un test. Si ça marche pas convenablement, je changerai de produit. Parce que c'est peut-être mieux du vitrificateur pour les parquets, pour ça. Certainement, c'est pas fait pour marcher dessus. Mais là, pour tout ce qui est boiserie, là, il est nickel. À savoir. C'est vraiment autour de la cuisine. Je vous montrerai. Parce que maintenant, je trouve ça moche déjà là et je me contentais déjà, je trouvais ça pas mal. Je crois que je vais devoir tout refaire. En fait, quand on commence à côté, et ben on s'acharne à... Oui, c'est le vent. On s'acharne à tout faire, quoi. Bon, je vais masquer avec du scotch. Et puis, hop, petit passeau. Ça, j'ai ramené ça. Je vais réfléchir pour mettre mes cannes pour plus qu'elles traînent là. Ça sera bien plus propre. C'est des ventouses, ça colle pas. Hein. Je vais mettre un point de colle aussi. Il faut que je fasse des tests avec la longueur. Hein. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Protéger le plan de travail quand même. Ben oui, j'ai remis la casquette parce que je sais que vous aimez ça. Madame M. Bouzouk. À quel secouer. Vous avez envie que les bouchons s'ouvrent? Pas encore. Diffusion. Vous prenez par exemple sur YouTube, les shorts YouTube, qui sont le TikTok, je trouve ça intéressant. Je ne pense pas d'ailleurs qu'il y aurait eu autant de réveils. Il y avait une petite poussière. Allez, je vous mets sur le pinceau. À un moment donné, il faut
Ah non, ils sont pas là, ils touchent. Merde. Voilà. De ce qui va être une vidéo pour informer, d'une vidéo pour appeler à la haine. Et une personne qui va appeler à la haine, eh bien dans ce cas-là, il faut pousser une légifération, en tout cas au niveau européen, pour les identifier. Parce que pareil, c'est un bon moyen aussi d'identifier aujourd'hui, c'est un peu comme les manifestations de personnes radicalisées, etc., elles sont importantes. Pourquoi ? Parce que les services peuvent ficher les gens qui y vont et peuvent les suivre. C'est un outil qui est extrêmement important. Et cet outil-là, il n'est pas développé aujourd'hui parce qu'on voit qu'il y a des islamistes sur les réseaux sociaux qui font des appels à la haine, qui ne sont pas arrêtés et qui ne sont pas surveillés. C'est plutôt là-dessus qu'il faudrait faire plutôt que de se concentrer, de dire ah, il faudrait qu'Elon Musk, eh bien, il arrête ces vidéos qui. Dans le sens du bois. Au moins, pas trop épais, pas trop fin. Et après, vous savez quoi ? Ne pas toucher. Du terroriste signal qui a abattu 20 personnes. Et il a commencé à regarder le profil des gens. Et du coup, son français... Ah, dans le sens du board, oui. Bon, on va attendre que ça sèche. Soi-disant, c'est une demi-heure au toucher. Ah, ça, il y a pas. Il y a du vent aujourd'hui. Il y a du vent. Allons voir si ça sèche. Le ponton, il est comme ça. Et chant les bateaux. C'est incroyable, ça bouge. Hein. Les bateaux frappent. Frappe d'un côté comme là, ça s'appuie. L'autre côté forcément ça tire. Incroyable. Incroyable. Alors c'est mieux qu'avant. C'est pas encore sec. Hein. C'est mieux qu'avant. Il y a des nuances. Certainement là où j'ai réussi à retirer tout le vernis, de l'autre côté où ça brille, c'est propre. Maintenant, savoir si ça va rester comme ça en teinte ou pas. Je pense que ça va sécher. Déjà, ça éclaircit quand même à certains endroits. Donc, suite au prochain numéro, je vais laisser sécher. Oui, je ne vous ai pas embêté pour la deuxième couche, que j'ai fait une heure et demie après. Ouais. C'était sec au toucher, bien, ils disent... Ça coûte toucher une demi-heure et la deuxième couche au bout de 3 heures. J'ai pas le temps d'attendre 3 heures, j'ai attendu 1 heure et demie. Et j'ai installé les supports. Voilà. Ils sont collés au 6K. Donc, pour que ce ne soit pas lourd, ça se casse pas la figure. J'ai déposé le. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, les supports de canne. Comme ça, je pourrais les réinstaller et mes cannes iront directement là-bas. Je pourrais enfin profiter de mes sièges sans mettre le beans partout. Coconut sera heureuse. On pourra manger en tête à tête. Regardez. Hop, ça, c'est l'outillage que j'ai ramené. Ça commence à être bien propre, hein, ce petit bateau. Voilà. Alors, comme d'habitude. Je vous souhaite un. Oh, il a tous les droits, lui. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon pied marin. A bientôt. Incroyable, nous on a un rayon de soleil ici. Rayon de soleil est noir là-bas. Et justement, on va là-bas. Zut.